Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beautés du mois de décembre. Je suis un petit peu en avance parce que je crois que vous allez voir cette vidéo le 24 matin, si mes calculs sont bons. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo maintenant parce que je pense pas faire d'autres découvertes dans la semaine qui vient. Donc, favoris beautés, on va commencer par les favoris maquillage parce que c'est là que j'ai fait les plus belles découvertes. J'ai pas beaucoup de favoris en termes de quantité. Mais vraiment les deux plus gros, ce sont ceux que je vais vous présenter tout de suite. Le premier produit, c'est un produit de la marque Herborian que j'ai reçu pour test dans un grand colis il y a quelques temps. Il s'agit du Matte for Lips, donc le baume lèvres effet poudré. Alors je ne connaissais pas du tout ce produit, je n'en avais même jamais entendu parler. A vrai dire, je ne sais même pas si c'est une sortie récente ou si c'est un produit qui est installé depuis pas mal de temps. Je peux absolument pas vous dire, mais alors, quel coup de cœur. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Ça se présente sous la forme d'un petit pot comme ça. Alors je crois qu'il n'y a qu'une couleur qui est universelle, en tout cas pour le moment il n'y en a qu'une. Oui, je trouve pas de numéro, donc il doit y en avoir qu'une seule. Donc c'est ce petit rose foncé qui tire sur le rouge, qui a en effet un aspect très poudré, il y a même une sorte de texture un petit peu siliconée, et en fait vous pouvez venir construire la couleur sur vos lèvres pour aboutir au résultat que vous voulez. Donc là j'en ai mis l'équivalent d'une grosse couche, mais je pense que vous pouvez forcer un petit peu le trait. Vous pouvez également l'appliquer vraiment du bout des doigts, éventuellement sur l'intérieur de la lèvre pour faire un effet un petit peu lèvre mordue. Et alors je trouve le rendu magnifique. Je pense que c'est une teinte qui s'adaptera à beaucoup de carnations parce qu'elle vient en quelque sorte complémenter un petit peu le sous-ton que vous avez dans vos lèvres. Donc voilà, j'adore ce produit, c'est ce que je porte aujourd'hui comme je vous disais, je suis fan du résultat. C'est sans effet de matière, c'est très doux sur les lèvres, du coup ça réfléchit pas du tout la lumière, mais pour autant c'est pas mat dans le sens où ça va pas insister sur les stries de la peau ou quoi que ce soit. Je sais pas comment vous dire, mais ça a une sorte de texture un peu... ouais, poudré, siliconé, mais qui est très intrigante. Je n'ai jamais testé de produit de ce genre-là. Et voilà, je voulais absolument vous en parler parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler avant de le recevoir. Je ne savais même pas que ça existait. Donc si vous le croisez en magasin, bah, je vous conseille de vous pencher dessus parce que vraiment, le résultat est magnifique et j'ai porté ça pendant plusieurs jours pendant ce mois de décembre. Le deuxième favori, donc toujours côté maquillage, c'est un produit de chez Dior que j'ai en ligne de mire depuis des années, que je n'avais jamais acheté pour une bonne raison que je vais vous évoquer tout de suite. Il s'agit du... Rosy Glow, donc le rose ajout au réhausseur de Bonne Mine. Donc c'est un blush, donc j'ai enlevé le pinceau, il est dans mes tiroirs là-bas parce que je m'en sers pas. C'est un blush, comme vous voyez, qui a une couleur assez effrayante dans le boîtier, c'est la raison pour laquelle je l'avais jamais acheté, et qui fait partie de la gamme, alors il y a Lip Glow, Rosy Glow, etc., qui sont des produits donc pour les lèvres, pour les joues, etc., et qui viennent réagir en fonction du pH de votre peau pour vous offrir une teinte vraiment sur mesure. Donc moi je suis dingue du Lip Glow, qui est donc un baume à lèvres teinté qui réagit donc, comme je vous disais, en fonction du pH. Ça fait des années que je vous en parle, je le possède dans plein de couleurs, c'est un des produits que j'ai le plus racheté dans ma vie parce que vraiment c'est un produit que j'adore. Et ce blush, je ne l'avais jamais acheté parce que bah voilà, moi j'ai davantage tendance à utiliser des blushs un peu plus corail, un petit peu plus orangé ou des roses, mais en tout cas beaucoup plus doux que ça, là je le trouvais un petit peu violent. Et puis récemment j'ai eu une collaboration avec Dior qui m'a permis de passer une commande donc, que je n'ai pas à payer donc, sur leur site. Je vous ai fait d'ailleurs un article complet à ce sujet que je vous mettrai sous la vidéo si vous voulez. C'était dans le but de tester leur e-shop à la période des fêtes. Et on m'a dit que je pouvais prendre les produits que je souhaitais. Donc j'ai opté pour des choses que je connaissais, que j'aimais beaucoup, que j'ai voulu racheter. Parce que voilà, dans la marque Dior, il y a des produits que j'adore. Donc j'ai pris des mascaras, la base pour les cils que j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je sais plus. Et puis je me suis dit, des rouges à lèvres aussi. Et je me suis dit, je vais tenter aussi de prendre des produits qui me tentent depuis longtemps mais que je n'avais pas encore osé acheter. Donc j'ai pris le Nail Glow d'ailleurs, qui est toujours de la même gamme, qui est un vernis à ongles qui réagit un petit peu pareil à la couleur de votre ongle à la base et qui donne une teinte un peu sur mesure. Et ce fameux Rosy Glow. Alors, donc comme je vous disais, c'est très effrayant dans le boîtier. C'est un rose qui est avec une pointe de violet dedans, un peu de parme, qui est très électrique. Et qui en effet réagit au pH de la peau. Donc la première fois où je l'ai appliqué, heureusement c'était une journée où je sortais pas de chez moi parce que c'était effrayant, j'ai mis mon pinceau bien franchement dedans et je l'ai appliqué comme un blush normal. Première minute, impeccable, bon c'était un petit peu rose, j'ai dit oui c'est vrai que c'est sympa, ça donne un air un peu frais, rien d'incroyable. Je suis partie de ma salle de bain, je suis revenue, je me suis croisée dans un miroir une heure après, je me suis dit oula, qu'est-ce qui t'a pris? En fait le produit, comme je vous disais, réagit au pH de la peau, je le savais mais pour autant il a fallu que je le voie pour y croire, et je me suis retrouvée avec des joues complètement roses. Donc il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, avec une main très légère, parce que vous allez vraiment aboutir à cette teinte sur mesure, mais qui prend quelques minutes avant de se développer. Je le porte aujourd'hui, d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui j'en ai mis trop à nouveau, parce qu'il faut que j'arrive à l'apprivoiser à force. Puis bon, quand je suis devant caméra, j'essaie de forcer toujours un peu le maquillage, parce que les lumières effacent à peu près tout sur leur passage. Mais voilà, je suis fan de ce produit. En termes de teinte, ça vous donne l'effet de joue rosie par... le grand froid ou par un petit peu de soleil, ou c'est vraiment, c'est quelque chose de très naturel, on a vraiment l'impression que ça vient de votre peau. Et deuxième détail, je le portais hier au travail, j'ai eu une journée de travail de dingue, j'ai couru dans tous les sens et j'étais avec une de mes collègues et
aux alentours de 21h, elle me dit « Mais t'as remis du blush ?» Et je lui dis « Bah non, j'ai pas remis du blush. T'as vu la journée qu'on a eue, comment est-ce que tu veux que je me dise un moment « Tiens, je vais m'arrêter 2 secondes, je vais aller remettre du blush. » Bah je dis « Non, j'ai pas remis de blush, comment veux-tu que j'en ai remis ?» Elle me dit « Mais je te jure, on a l'impression que tu viens d'en remettre, t'as les joues toutes roses à nouveau. » Donc je pense que ce produit réagit aussi, alors un peu à la transpiration, à la chaleur de la peau, ou je sais pas exactement à quel paramètre, mais en tout cas il évolue au cours de la journée, et elle m'a dit qu'en fait j'avais les joues qui étaient plus roses que quelques heures avant. Donc voilà, ça peut être très intéressant si vous avez besoin d'un maquillage qui tient longtemps. Et voilà, ce produit on en entend beaucoup parler, je l'avais pas acheté parce que j'avais peur de cette teinte rose, mais en réalité ça fait vraiment ressortir votre carnation naturelle et c'est ravissant. Donc voilà, maintenant je l'ai testé, c'est chose faite et j'en suis très contente. On va passer aux soins visage. Je voulais vous parler de la gamme céramidine de la marque Dr. Jart. Alors je ne suis pas payée pour vous parler de cette marque, je vous le dis parce que je sais que la marque a réalisé beaucoup de partenariats avec des blogueuses, j'en ai vu au moins 3 ou 4 dernièrement, donc des partenariats rémunérés, donc ça n'est pas mon cas, j'ai reçu ces produits pour test, je n'ai aucune obligation de vous en parler, je vous en parle parce que vraiment je les adore. Donc la marque Dr. Jart, je la connais assez peu, je connais surtout les masques pour le visage, je vous ai fait une story sur Instagram il n'y a pas très longtemps, les masques un peu gélatineux, on dirait des tranches de fromage, vous savez les fromages à croque-monsieur là. C'est des masques que je trouve très très sympas, c'est assez ludique à utiliser, c'est à peu près tout ce que je connais dans la marque. Cette gamme j'en entends parler depuis longtemps, la première personne à en avoir parlé c'est Lily Pebbles, comme vous le savez peut-être c'est l'une de mes blogueuses youtubeuses préférées. Elle utilise la gamme céramidine depuis pas mal de temps, elle parlait surtout de la crème, je crois pas l'avoir entendu parler du sérum. Et si vous me suivez sur Pinterest, vous savez peut-être que cette gamme elle est dans ma wishlist depuis des mois. Je l'achetais pas parce que je reçois tellement de produits que franchement si je me mets moi aussi à racheter des crèmes derrière, je vais jamais réussir à tout essayer. Donc voilà, j'ai eu la chance de la recevoir et j'en suis très contente. Alors dans la gamme céramidine, il existe plusieurs produits. Le produit qui selon moi peut convenir à tous les types de peau, c'est le sérum. Gros avantage, c'est un flacon de 150 ml, ce qui est 3 à 4 fois plus important en termes de quantité que la majorité des sérums qu'on peut retrouver dans le commerce. Je viens de vérifier et donc il coûte 37 €, ce qui est extrêmement raisonnable pour la quantité, comme je vous disais, 150 ml avant d'en voir le bout. Moi je sais pas où j'en suis mais je dois en être là et ça fait plus d'un mois que je l'utilise. C'était la fameuse gamme dont je souhaitais vous parler le mois dernier mais ça faisait qu'une quinzaine de jours que je l'utilisais et par expérience il vaut mieux que je teste les produits pendant au moins un mois avant de vous en parler parce que il peut toujours se passer des petites réactions allergiques, des petites réactions locales après l'application de ce type de produit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à vous en parler fin décembre. Ce sérum, je l'aime énormément, il est écrit « repulpe et nourrit les peaux sèches et ternes », donc comme vous voyez le terme céramidine, ça signifie que c'est un produit qui contient des céramides qui sont censés venir renforcer la barrière cutanée. C'est un sérum que j'aime énormément, qui a vraiment une texture de sérum un peu aqueuse, très très légèrement gélifiée, qui pénètre instantanément dans la peau, donc de ce côté-là vous êtes tranquille. C'est pas le genre de sérum qu'il faut appliquer, il faut attendre que ça pénètre, etc. Non, ça pénètre très très vite dans la peau et vraiment je l'adore. C'est une super base, je l'utilise en fait sous toutes mes crèmes. Même si j'utilise pas la crème céramidine derrière, je m'en sers sous toutes mes crèmes et je le trouve hyper efficace. Niveau odeur, il y a une petite odeur très légèrement citronnée, fraîche. Je vois pas comment ça pourrait pas plaire à quelqu'un parce que c'est franchement assez neutre, voire passe-partout. Donc voilà, j'en suis très très contente. Et la crème, celle-ci par contre je la conseille pas à tous les types de peau, mais pour information dans la gamme céramidine il existe, alors ça c'est la crème riche, il existe aussi la crème légère si je dis pas de bêtises. Oui il existe aussi la crème légère, au niveau des prix c'est environ pareil, 39 ou 35 € selon le produit. Il existe aussi la crème à la texture gélifiée pour vraiment les peaux grasses qui veulent quelque chose de léger. Donc moi sans grande surprise j'ai reçu la version crème, qui est la version très riche, très épaisse. Absolument impossible de s'en servir, en tout cas pour ma part, avant le maquillage le matin, c'est trop riche, trop gras. Le maquillage file dessus, ça fait oxyder le fond de teint, c'est trop épais, c'est pas possible. En dehors de ça, en crème de nuit, c'est hyper efficace. C'est une crème qui est très épaisse, elle est très riche, elle est très grasse, c'est vraiment la crème réconfortante par excellence qui plaira aux peaux très sèches comme la mienne. Pour info, je suis partie ce week-end à Megève où il a fait des températures pas possibles, type moins 15 pendant 3 jours. Donc ma peau avait bien bien souffert du froid. J'étais partie qu'avec des échantillons parce que je voulais pas surcharger ma valise. Et puis je voulais pas partir avec ce type de contenant, un tube en métal, pas hyper pratique pour se balader. Et puis ce gros flacon, franchement, dans mes valises pour 3 jours, c'était pas du tout l'idée. Donc je suis partie avec des échantillons qui étaient pas forcément adaptés à mon type de peau. Je suis revenue avec des dartres sur toute la joue droite, ici. J'ai utilisé 2 jours cette gamme-là et c'était rentré dans l'ordre. C'est vraiment une crème qui est très riche. Qui est réparatrice, qui fait une vraie barrière de protection et j'en suis très 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 contente. Pour information, elle est livrée alors avec un petit outil que je n'arrive pas à retrouver mais il faut absolument que je le retrouve parce que maintenant je vais finir par la descendre et il faut que je le retrouve. C'est une sorte de petite pince en métal que vous venez tourner en fait comme pour le, vous savez, comme pour ouvrir les boîtes de sardines. Voilà, donc c'est fourni avec hein, pour pouvoir comment dire, vider le tube vraiment par le haut vu que c'est un tube en métal.
et pour vraiment récupérer tout le produit qui était à l'intérieur. Je voulais vous le montrer, j'arrive pas à le retrouver, il faut absolument que j'arrive à remettre la main dessus. Voilà, je vous en dis pas plus sur cette gamme parce que je crois que ça fait longtemps que j'en parle, mais j'en suis très contente. Donc si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau grasse ou la peau normale, penchez-vous davantage sur la crème légère, sur le gel crème aussi qui est dans une version qui est en peau de mémoire. Voilà, je pense que du coup la gamme peut convenir à plusieurs types de peau, mais cette crème je la conseillerais davantage aux peaux très sèches. Et on va finir par les soins, comme je vous disais ce mois-ci j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter. Tout d'abord le spray à oreiller de la marque Rennes. Alors vous connaissez peut-être cette marque, ça fait longtemps que je vous en parle, c'est une marque avec de très belles compositions, sans parabènes, sans phtalates, sans huile minérale, sans parfum synthétique, sans glycol, sans silicone, sans PEG, etc. C'est une marque que j'aime beaucoup dans plusieurs gammes différentes, ils ont une gamme éclat, ils ont une gamme apaisante, vraiment c'est une marque qui est très complète. Et ils ont sorti donc leur spray relaxant, apaisant pour oreiller. On trouve ce type de spray dans plusieurs marques, je crois que l'Occitane en fait un, Couvent des Minimes en a un aussi, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est un spray que j'aime beaucoup. Et pourquoi je voulais vous parler de celui-ci, c'est parce que la plupart de ces sprays ont une odeur de lavande. Parce que la lavande, c'est bien connu, c'est une fleur, donc l'essence qu'on en retire, qui est très propice à la relaxation, à l'apaisement, et donc on retrouve très souvent la lavande dans ce type de produit. Donc ce produit doit en contenir, il n'y a pas de doute, parce que voilà, c'est vraiment un ingrédient qu'on retrouve dans la plupart des sprays pour oreiller de ce type-là, mais ça ne sent pas la lavande, en tout cas c'est pas la première chose qu'on ressent. Il y a une odeur très fraîche, un peu verte. Il y a un fond de lavande, mais franchement c'est davantage à l'arrière du produit, c'est pas la première chose qu'on ressent. Et je voulais vous en parler parce que je sais que la lavande ça a une connotation un peu personne âgée. Moi c'est pas vraiment une odeur qui me transporte, même si je suis d'accord qu'il y a des vertus apaisantes, mais bon c'est pas vraiment une odeur que j'aime. Mais ce spray j'en suis très contente. Alors est-ce que ça va aider les insomniaques à trouver le sommeil? Je ne pense pas, mais moi j'aime bien vaporiser ça le soir sur mes draps, ne serait-ce que pour... rajouter un petit coup de frais, je trouve qu'en effet ça délasse un petit peu, ça détend. Je suis allée vous chercher la composition parce que j'arrivais absolument pas à trouver ce qu'il y avait dedans. Donc il y a de l'encens, du houblon et de la lavande. Donc oui, en effet il y a de la lavande, mais comme je vous disais, c'est pas l'odeur qu'on sent en premier. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un spray bien sympa, ça fait 75 ml et au niveau du prix, 22 euros. C'est pas donné, c'est pas non plus le produit dont on a forcément besoin pour bien dormir, mais ça peut être une petite aide et si vous aimez bien ce type de produit, je vous le conseille. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, je vous en parle parce que vraiment quand je vous présente mes favoris, c'est les produits que j'utilise tout au long du mois, hein, c'est quand même l'idée. Je vous en ai parlé des dizaines de fois, c'est le lait frais de chez Diptyque, qui est une odeur que j'adore, que je ressors inlassablement toute l'année, été comme hiver, qui a une odeur de fleur d'oranger mais avec une pointe de petits grains derrière qui est hyper fraîche, hyper réconfortante, ça sent le bébé. Et alors j'ai découvert quelque chose, c'est que Inès en raffole aussi. Voilà. Ma fille en est dingue parce que j'ai remarqué que les fois où je le portais, elle avait tendance à se coller contre moi et à venir vraiment se lever contre moi. Et j'ai l'impression que l'odeur l'apaise aussi. De toute façon, la fleur d'oranger, je crois que c'est un peu comme la lavande. Il y a un côté universel et je crois que ça a des vertus aussi un peu apaisantes et calmantes. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une odeur qui pour moi est inimitable. Je ne l'ai jamais retrouvée nulle part. Donc ça c'est la version lait frais, j'ai déjà testé le parfum qui s'appelle l'eau d'essence de chez Diptyque qui est censé avoir la même odeur, c'est pas encore tout à fait ça. Ça doit être une question de galénique, probablement que dans un lait on doit pouvoir mettre des choses qu'on peut pas mettre dans une autre toilette ou je sais pas exactement, mais j'adore ce lait. Moi je le mets vraiment sur le décolleté en guise de parfum, ça tient forcément moins bien qu'un parfum, mais ça vient un peu s'imprégner dans les vêtements, un peu dans les cheveux si vous les avez dans la nuque, etc. Et c'est un produit que j'adore. Voilà, je voulais quand même vous en reparler parce que je m'en suis servi tout le mois et si je m'écoutais, j'en mettrais tous les jours de toute l'année. Mais ça coûte cher et puis c'est vraiment un lait, donc c'est sûr qu'avec un parfum, ça serait plus simple, mais je n'ai jamais trouvé d'équivalent. Donc voilà pour mes favoris du mois de décembre. Et bien j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vu qu'on est le 24, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve sur le blog en vidéo parce que le blog ne prend pas de vacances pendant la période des fêtes. Et voilà, j'espère que vous allez passer de très bons moments. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.